Et voici l'ouverture d'un OTS, donc celui que j'ai gagné en participant au tournoi boutique. Voilà, j'ai quelques boosters vides. Donc voilà, des participants, donc le 8ème et d'autres. Voilà, ils étaient scotchés. Donc là, le 4ème, il a dû gagner deux boosters. Voilà, c'est comme je disais la dernière fois. Deux boosters scotchés entre eux. C'est à partir de la. Ouais, non, tout. De la 8ème place. De la 5ème place à la 2ème place, on gagne 2 boosters. Le gagnant, 3-4 boosters. Puis tous les autres, un seul booster. Donc voilà, j'aimerais bien voir la synchro. Il y a des synchros intéressantes. Pourquoi pas l'Ixis de niveau 5 que j'ai vu. Forcément une ultimate, mais bon, c'est impossible. Parce qu'en 20 boosters distribués, comme je disais, il y a déjà 2 ultimates qui sont tombés. Et c'est la même personne qui les a eues. Il y a 2 ultimates en 2 boosters. Terrofé, Ayate et Galatea. Donc il y a aussi... la fusion en ultimate. Il y a 3 cartes par pack, 13 cartes communes, 10 cartes super rares et 3 cartes ultimate rares. On va regarder tout de suite. Je ne l'ai pas ouvert dans la vidéo du tournoi. Voilà, par manque de temps. Vraiment. Donc voilà, ça fait un petit complément. Donc voilà, bestiaire mystique. Ouais, pas mal du tout. Hyper bibliothécaire télé, donc l'une des seules synchros que je voulais pas. Et... on a, oh bah c'est bien, franchement je suis content. Kaiju, destructeur des étoiles, j'en ai un, ça m'en fait un deuxième. Alors on va voir ce qu'il nous dit. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en position d'attaque en sacrifiant un monstre qu'il contrôle. Si votre adversaire contrôle le monstre Kaiju, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main en position d'attaque. Vous ne pouvez contrôler qu'un monstre Kaiju. Lorsqu'une carte ou un effet qui cible exactement une carte est activé, vous pouvez retirer 3 compteurs qui jouent depuis le terrain, annuler l'effet. Si vous le faites, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Ouais. Faut en mettre plusieurs des Kaiju pour que ça. Dans un deck pour que ça fasse un truc sympa. Sinon, c'est pas trop la peine. Donc là, je pense pas pouvoir le mettre. Donc dans le deck que j'ai présenté la dernière fois, je pense mettre mine mystique. Voilà, j'en ai une. Une petite magie de terrain. Donc voilà pour. Temporiser un petit peu. Donc voilà, à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Salut!